prétendre qu'on en a les moyens. Zara, la marque emblématique de la fast fashion, a montré la voie. La mode jetable, c'est la copie du luxe à bas prix. Zara ou H&M n'ont pas de produits iconiques. Les marques s'inspirent de modèles déjà existants qu'elles reproduisent le plus vite possible. Donc en général, les vêtements sont achetés pour une ou deux occasions. Être bien habillé pour être bien accepté. L'injonction est permanente. Aujourd'hui, près de la moitié des publications d'Instagram sont consacrées à la mode et à la beauté. Camille Callen est une vedette des réseaux sociaux, sous le nom de Noolita. Chaque jour, elle poste des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux. En aval de l'usine, le long de la rivière Chambal, 20 000 habitants vivent dans une vingtaine de villages. Parmar Kedi est l'une de ces communes situées à 4 km de l'usine. Depuis des années, les villageois dénoncent les problèmes de santé qui se multiplient. Les plaintes des habitants ont finalement été entendues par les autorités. Ce jour-là, pour la première fois, des médecins ont été dépêchés pour venir ausculter les habitants. Parmi les patients qui se bousculent, ce père venu avec ses deux fils handicapés. Ses enfants étaient en bonne santé. Avant, ils marchaient, ils allaient à l'école. Celui-ci allait à l'école à pied jusqu'en sixième. Cela prouve bien que ses muscles fonctionnaient normalement. Mais petit à petit, il n'a plus réussi à marcher. Et à présent, il est handicapé. C'est arrivé d'un seul coup. Il marchait comme ma fille. Vous voyez la fille là-bas? Il marchait aussi bien qu'elle. Il allait à l'école, mais petit à petit, cela fait 2-3 ans. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais de nombreux habitants présentent des symptômes similaires. Paralysie, problèmes aux articulations, jusqu'à la perte de parole. Dans cette seule famille, il y a 3 personnes affectées par un handicap physique. Cette fille a 26 ans. Les deux garçons ont 23 et 24 ans. Ils sont handicapés physiques. La croissance de leur corps a été stoppée. Vous voyez les cheveux de la fille? Elle a juste 26 ans.